les gens ne sont pas intelligents. Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Et ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, Thumma salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Il y a un chrétien qui avait tenté de nous prouver que le prophète Mohammed ne serait pas descendant d'Ismaël, mais ça va mal tourner encore une fois de plus pour lui. En rappel, j'avais fait une vidéo pour le corriger, pour lui montrer que dans la Bible, le prophète Mohammed est bel et bien un descendant d'Ismaël. En citant le livre des Jubilés, un livre reconnu authentique par les Juifs du temps de Jésus-Christ, un livre reconnu authentique par Jésus-Christ lui-même. Et j'avais dit que lorsque nous ouvrons ce livre des Jubilés, il est mentionné clairement en son chapitre 20 que les Arabes et les Ismaélites sont issus de l'union entre qui? Entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Ketura. En d'autres termes, selon la Bible, selon le Saint-Esprit de l'Église d'Éthiopie, qui est authentique selon Jésus-Christ lui-même, les Arabes, sans aucune exception, sont les descendants d'Ismaël. Parce qu'ils sont le fruit de l'union entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Ketura. Maintenant, écoutons l'incroyable réfutation du Saint-Esprit de Alexandre Salomon face à cette vérité. Il s'agit des versets 11 à 13 du chapitre 20 des Jubilés. Issoufou Kabré affirme que dans ce péricope, il est dit que les Arabes, sans aucune exception, sont les descendants d'Ismaël parce qu'ils sont le fruit de l'union entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Ketura. Subhanallah. Est-ce vraiment ce qui est écrit sous vos yeux? Cheikh Issoufou, si tu as des problèmes de compréhension du texte, implore l'aide d'un écolier. Le texte ne dit nullement que les Arabes, sans aucune exception, sont les descendants d'Ismaël, ni même qu'ils sont le fruit de l'union entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Ketura. Ça n'existe pas ici. Expliquez-moi, je comprends pas. Il est simplement indiqué que les deux groupes, c'est-à-dire les fils de Ketura, dont les Madianites et ceux d'Ismaël, les Ismaélites, se sont mélangés entre eux, si bien qu'ils ont été appelés Arabes et Ismaélites. Ce que ce musulman zélé ignore, et ce n'est pas de sa faute, il faut le comprendre. C'est comme le souligne l'écrivain franco-algérien Slimane Zegdou dans son livre La poésie arabe moderne entre l'islam et l'occident, le mot arabe se référait dans l'antiquité non pas à une race ou à une ethnie, mais plutôt comme un groupe humain que réunit les mêmes langages, le même environnement, le même mode de vie. C'est ainsi que les hommes des villes antiques appelaient tout nomade qui surgissait du désert et arrivait à la ville. Ainsi, la désignation des fils de Ketura et des Ismaélites comme arabes correspond exactement à leur vie nomade commune dans le désert. En Genèse, le chapitre 37, on voit bien que ceux à qui Joseph a été vendu par ses frères sont tantôt appelés des Ismaélites, tantôt des Madianites, ce qui confirme bien le mélange. Ça ne signifie pas que c'est Ismaël qui a donné naissance aux Arabes et aux nomades du désert, et ce n'est pas ce que dit le livre des Jubilés. Mais Alexandre Salomon, il faut arrêter de tromper tes frères. Il faut cesser d'exhiber ton incompétence intellectuelle face aux musulmans. Regarde, ici le terme arabe dans le verset n'a pas la valeur de sa définition en tant que nomade. Non, ici le terme arabe porte la valeur de la race, porte la valeur du peuple, porte la valeur de la descendance. Pourquoi? Les preuves même se trouvent dans le verset. Le verset nous dit « Ismaël et ses fils, ainsi que les fils de Ketura et leurs fils, partirent pour Paran. » Et la suite nous dit « Ils se mélangèrent, l'un et l'autre, et leur nom fut appelé arabe et ismaélite. » Ici le terme hébreu traduit par « mélangère », traduit par « mêlère » est le même terme utilisé dans le Sefer Hakana pour évoquer l'union maritale, pour évoquer l'union charnelle entre l'homme et la femme. Et par voie de conséquence, il est clair que le mélange dont il est question ici, le sammêlement dont il est question ici, il s'agit tout simplement de l'union maritale qui a abouti à la naissance des Arabes, qui a abouti à la naissance des Ismaélites. Ce qui veut dire clairement que le terme arabe ici désigne la race du mélange entre Ismaël et les descendants d'Abraham par Ketura. Ce qui veut dire que le terme arabe ici désigne le peuple du mélange entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Ketura. Ça, c'est une vérité incontestable, Alexandre Salomon. Le verset parle du mélange qui a donné naissance aux Arabes, qui a donné naissance aux Ismaélites, et non de la nomadisation qui aurait donné naissance aux Arabes. Non, le verset ne dit pas « ils se sont nomadisés et leur nom fut Arabe et Ismaélite ». Non, le verset te dit « ils se sont mélangés, ils se sont unis, conformément à la traduction du Sefer Hakana, et c'est suite à cette union. Et c'est suite à ce mélange que nous avons les Arabes, c'est suite à cette union que nous avons les Ismaélites. Alexandre Salomon. Et tu as falsifié le texte. Tu es obligé de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Alexandre Salomon, muni de son Saint-Esprit, ne savait pas que le terme hébreu traduit par « mélangère » renvoie ici à l'union charnelle, renvoie ici à l'union maritale. C'est son niveau intellectuel qui fait défaut ici. C'est le niveau de son Saint-Esprit qui fait défaut ici. Il ne connaît pas ça. Cheikh Issoufou, si tu as des problèmes de compréhension du texte, implore l'aide d'un écolier. Le texte ne dit nullement que les Arabes, sans aucune exception, sont les descendants d'Ismaël, ni même qu'ils sont le fruit de l'union entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Ketura. Ça n'existe pas ici. Tu es trop nul, tactiquement, techniquement,
tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Ça c'est un. Deuxièmement, le verset fait suivre le terme arabe par son synonyme en nature et en fonction. Ismaélite, qui signifie descendant d'Ismaël. En d'autres termes, le verset lui-même nous précise clairement que le terme arabe, ici, a le sens de la descendance qui est issue du mélange entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Keturah. Parce qu'il fait suivre le terme arabe par un synonyme qui est le terme ismaélite, c'est-à-dire les descendants d'Ismaël. Tout comme quand on dit israélite dans la Bible, ça renvoie à la descendance. À la descendance d'Israël, ça renvoie au peuple d'Israël, ça renvoie à la race d'Israël, tout simplement. Alexandre Salomon ne sait pas ça, c'est incroyable. Cheikh Issoufou, si tu as des problèmes de compréhension du texte, implore l'aide d'un écolier. Le texte ne dit nullement que les Arabes, sans aucune exception, sont les descendants d'Ismaël, ni même qu'ils sont le fruit de l'union entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Keturah. Ça n'existe pas ici. Tu es trop nul, tactiquement, techniquement. Tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Troisièmement, ce n'est pas moi qui dis que les Arabes, sans aucune exception, selon le livre des Jubilés, sont des descendants d'Ismaël. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le texte même. C'est la parole de Dieu, le livre des Jubilés lui-même qui le dit. Le texte dit, est appelé arabe et ismaélite, le mélange des fils d'Ismaël et les fils de Keturah. C'est-à-dire les fils d'Abraham par Keturah. Le texte ne nous dit pas être appelé arabe ou ismaélite, n'importe quel habitant du désert ou n'importe quel nomade du désert. Non, le texte biblique nous précise être appelé arabe ou ismaélite, le mélange entre les fils d'Ismaël et les fils de Keturah. Point final, le texte est clair, ce n'est pas n'importe quel vagabond du désert qui est appelé arabe ou ismaélite, mais plutôt celui du mélange entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Keturah. Point à la ligne. Donc, en conséquence, quand tu définis le terme arabe comme toute personne habitant du désert ou nomade du désert, ce n'est pas ce que nous dit le texte, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Et tu as falsifié le texte, tu es obligé de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Mais oui, c'est clair. La Bible, parole de Dieu, ne connaît pas un autre groupe de personnes qui est appelé arabe, qui est appelé ismaélite, à part le peuple du mélange entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Keturah, à part le peuple de l'union entre les fils d'Ismaël et les fils d'Abraham par Keturah. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, Alexandre Salomon, jusqu'à la fin du monde, tu ne peux et ne pourras nous prouver le contraire, malgré que tu serais animé du Saint-Esprit. Ainsi, la désignation des fils de Keturah et des Ismaélites comme arabes correspond exactement à leur vie nomade commune dans le désert. En Genèse, le chapitre 37, on voit bien que ceux à qui Joseph a été vendu par ses frères sont tantôt appelés des Ismaélites, tantôt des Madianites, ce qui confirme bien leur mélange. Ça ne signifie pas que c'est Ismaël qui a donné naissance aux arabes et aux nomades du désert, et ce n'est pas ce que dit le livre des Jubilés. Mais Alexandre Salomon, c'est ce que nous dit le livre des Jubilés, comme nous venons de le voir. Et c'est ce que nous dit ta propre Bible. Personne n'est appelé arabe dans ta Bible parce qu'il serait un nomade du désert. Ça n'existe pas. Ça, c'est anti-biblique. Alors, prenons Deutéronome, le chapitre 26, le verset 5. Et tu prendras la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, « Mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y vécut en étranger. » Là, la Bible nous parle de qui? La Bible nous parle de Jacob. En tant qu'un arabe? Non. En tant qu'un araméen nomade. En tant que qui? Un araméen nomade. Et la Bible à l'auteur nous dit, ce père est Jacob, issu d'Abraham, qui avait émigré dans le pays de Charan, en Mésopotamie. Sa mère Rebecca est de ce même pays. Il avait demeuré lui-même chez Laban pendant 20 ans. C'est de là qu'il était revenu dans la terre de Canaan, d'où, pour échapper à la famine, il avait émigré en Égypte avec une famille encore peu nombreuse. Et maintenant, le peuple né de ses 12 fils possédait cette terre qu'il avait habitée en étranger et en rendait hommage comme un don de Dieu. Là, la Bible nous décrit Abraham, la Bible nous décrit Jacob, ainsi que les fils d'Israël, comme étant qui? Comme étant des nomades du désert, comme étant un peuple nomade. Mais tu ne trouveras pas un seul verset de la Bible dans lequel ces derniers sont appelés des Arabes. Ça n'existe pas. En d'autres termes, selon ce verset, mixé avec l'histoire de Jacob, l'histoire d'Abraham, la Bible nous montre clairement qu'il n'y a aucune relation entre appelé arabe avec un peuple nomade du désert. Ça n'a absolument aucune corrélation selon la Bible. Mais oui, c'est clair. Alexandre Salomon, selon ta propre définition extra-biblique, Abraham lui-même est un arabe. Selon les textes même que tu as affichés de la part de l'écrivain franco-algérien. Question, est-ce que quand Abraham ainsi que Lot, ainsi que leurs femmes, lorsqu'ils ont quitté la Mésopotamie, pour Charam, est-ce qu'ils ont été appelés une seule fois arabes? Point d'interrogation. Non, ça n'existe pas. Ils n'ont jamais été appelés une seule fois arabes dans la Bible. Est-ce que lorsque Abraham, ainsi que Lot, ainsi que leurs femmes, lorsqu'ils ont quitté Charam maintenant, pour Canaan,
Est-ce qu'à leur arrivée à Canaan, est-ce qu'ils ont été appelés une seule fois des Arabes, Alexandre Salomon? Point d'interrogation. Où est-ce qu'il est écrit dans ta propre Bible qu'ils ont été appelés une seule fois des Arabes? Point d'interrogation. Ta définition ne tient pas selon ta propre Bible. Parce que dans aucun texte biblique, Abraham, ainsi que ses fils, ainsi que les Israélites qui faisaient ces déplacements, n'ont jamais été appelés Arabes. Pour t'éduquer, la définition que tu viens de nous donner de la part du franco-algérien est en contradiction avec ta propre Bible. Il n'existe pas un seul verset dans ta propre Bible qui appelle Abraham un Arabe, qui appelle Isaac ou Jacob des Arabes. Donc, pour te dire que la Bible est spécifique sur la définition du terme arabe. Lorsque la Bible emploie le terme arabe, il fait toujours référence aux descendants d'Ismaël. Ça, c'est clair. Et c'est exactement ce que nous prouve la Bible à travers le livre des Jubilés. Est appelé arabe et ismaélite le mélange des fils d'Ismaël avec les fils d'Abraham par Ketura. Et comme ton Saint-Esprit ne sait pas que les petits-fils de Ketura sont des fils d'Abraham, il faut aller au début du chapitre 20, au verset 9. La Bible nous dit, et au 42e jubilé, Abraham appela Ismaël et ses 12 fils. Il appela Isaac et ses 2 fils et les 6 fils de Ketura et leurs fils. Verset 9, et Abraham dit, je vous en supplie, mes fils, aimez le Dieu des cieux, attachez-vous à tous ses commandements. Abraham lui-même appelle les petits-fils de Ketura ses fils. En d'autres termes, le livre des Jubilés nous dit clairement que l'Arabe ou l'Ismaélite est tout simplement le mélange des fils d'Abraham par Ketura avec les fils d'Ismaël. Et tu ne pourras jamais, et au grand jamais, nous prouver le contraire, Alexandre Salomon. Fais appel à ton Saint-Esprit, tu ne pourras jamais nous prouver le contraire. Dans toute la Bible, ainsi que dans le livre des Jubilés, le terme arabe est toujours en relation avec Ismaël. Raison pour laquelle personne n'est appelé arabe, personne n'est appelé ismaélite avant l'avènement d'Ismaël. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas prouver le contraire, Alexandre Salomon. Et ce n'est pas pour rien que le livre des Jubilés, le livre saint de l'Église d'Éthiopie, nous met en exergue le nom d'Ismaël par rapport aux autres fils d'Abraham par Ketura. Le verset ne dit pas les fils d'Agar et les fils de Ketura. Non, le verset dit Ismaël et les fils de Ketura. Pour montrer la valeur d'Ismaël, pour montrer que c'est Ismaël qui va emmailloter, qui va supplanter les autres fils d'Abraham par Ketura. Parce que c'est lui qui a reçu la bénédiction d'être une grande nation. C'est lui qui a reçu la promesse d'être une grande nation. C'est lui, sa postérité, qui devrait vivre et engloutir les autres fils d'Abraham par Ketura. Raison pour laquelle les Madianites sont appelés des Ismaélites dans ta propre Bible, Alexandre Salomon. Parce qu'ils sont réellement des fils d'Ismaël. Parce que les fils de Madian ont été tout simplement supplantés par Ismaël. Parce que c'est lui, sa postérité, qui a reçu la promesse de vivre au détriment des autres fils d'Abraham par Ketura. Donc, Alexandre Salomon, quand le terme Madianite est substitué au terme Ismaélite, ça désigne tout simplement les Ismaélites qui ont supplanté les fils de Madian en territoire de Madian. Tout simplement, comme nous le montre clairement le livre des Juges. Donc, les Madianites sont appelés des Ismaélites dans ta propre Bible parce qu'ils sont réellement des Ismaélites, Alexandre Salomon, et non pas parce qu'ils seraient des nomades. Non, tu tires ça d'où? Donne-nous une seule preuve que quelqu'un a été appelé arabe dans la Bible ou Ismaélite dans la Bible parce qu'il serait nomade. Le grand-père même des nomades, qui est Abraham et sa famille, puis Jacob et sa famille, n'ont jamais été appelés arabes, encore moins ismaélites. Donc, il faut arrêter de tromper tes frères. Ça passe pas avec moi. Mais oui, c'est clair. Ensuite, Alexandre Salomon, problème après problème. Le même texte dit que le mot hébreu est une métathèse du mot arabe et que ce mot hébreu ne désigne pas une race ni un peuple. Il désigne aussi tout nomade. Alexandre Salomon. C'est quoi ça? Arrêtez de copier moutonnièrement les gens. Donc pour toi, lorsque la Bible appelle Paul un hébreu, ça ne veut pas dire que Paul était issu d'une race appelée la race des hébreux, mais plutôt qu'il était un nomade du désert. Le monde part en couille. Ensuite, Alexandre Salomon nous cite Jubilé le chapitre 15 et 16 pour nous dire que selon ce livre, les Ismaélites n'ont pas été choisis par Dieu pour affirmer que selon ce livre, les Ismaélites sont des païens. Mais Alexandre Salomon, tout dépend de l'interprétation que tu donnes au terme choisir, que tu donnes au terme païen. Isaac, par exemple, n'a jamais été choisi par Dieu pour être multiplié à l'infini. Bimehod, mehod, selon ta propre Bible, ce choix n'a été attribué qu'à Abraham et Ismaël. De même que la signification du terme païen. Le terme païen ici n'a pas un sens péjoratif. Non, le terme païen ici a tout simplement le sens de non-descendant d'Isaac, tout simplement. Le terme païen n'a pas forcément le sens d'idolâtrie. Non, il faut activer ton Saint-Esprit. Le terme païen ici a le sens d'un non-descendant d'Isaac. Et la preuve que le terme païen ici n'a absolument pas un sens péjoratif, n'a absolument pas le sens de l'idolâtrie,
Tu as cité le chapitre 15 et le chapitre 16. Il fallait descendre jusqu'au chapitre 17, que tu n'as jamais lu d'ailleurs. Le verset nous dit que Dieu était avec Ismaël. Dieu était-il avec un idolâtre? Point d'interrogation. Et le verset poursuit en disant, et sa mère prit une femme égyptienne pour lui, et elle enfanta un enfant, et elle lui donna le nom de Nébaïoth. Car elle dit, le Seigneur est proche de moi quand j'ai fait appel à qui? À un idole? Non. Quand j'ai fait appel à lui, c'est-à-dire quand j'ai fait appel au Seigneur. Donc, le livre des Jubilés te prouve clairement que Ismaël ainsi que sa mère n'étaient pas des idolâtres. Ils étaient des pieux adorateurs du Créateur des cieux et de la terre. Mais oui, c'est clair. Même dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Lorsque nous prenons Actes 11, le verset 18, la Bible nous dit que les apôtres de Jésus appellent Corneille un païen. Les apôtres de Jésus identifient Corneille à un païen. Alors que Corneille, même avant de se convertir au christianisme, n'adorait pas des idoles. Il adorait le vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et cette vérité se trouve dans Actes 10, le verset 1 à 2. La Bible nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait les idoles continuellement. Non, et priait Dieu continuellement. Pourtant, il est identifié à un païen. Dans Actes 11, le verset 18. Donc, il faut faire la différence entre un païen adorateur d'idole et un païen en tant que non-descendant d'Isaac, en tant que non-descendant de Jacob. Deux choses complètement différentes. Donc, quand tu ne connais pas, il faut demander. Il faut venir t'inscrire. On va t'instruire gratuitement. On va instruire ton Saint-Esprit gratuitement. C'est gratuit, c'est pas payant. Et en plus, notre cher ami ne comprend absolument rien de la rhétorique. C'est grave. Ce n'est pas parce que je cite ce livre qu'il peut être pris contre moi ou contre le prophète. Non! Est-ce que quand tu cites Ibn Kathir pour justifier tes thèses mensongères? Et tu me demandes de citer des sources. Là, je te cite la sira de Ibn Kathir. La sira de Ibn Kathir. Est-ce que tu crois en ce que Ibn Kathir a dit? Point d'interrogation. Alexandre Solomon. Ibn Kathir te dit que tu es un égaré. Est-ce que tu crois en ça? Point d'interrogation. Ibn Kathir te dit que tu iras en enfer si tu ne crois pas au prophète Mohammed. Est-ce que tu crois en ça? Point d'interrogation. Mais pourquoi tu cites Ibn Kathir? Point d'interrogation. Mais d'ailleurs, c'est un secret de Polichinelle. Vos propres sources, comme rapporté dans le Nectar Cacheté, font une distinction entre les Arabes disparus, les Arabes de souche et les Arabes arabisés ou d'adoption, et Ismaël est classé dans ce dernier groupe. Ah voilà, du coup, les sources islamiques deviennent crédibles aujourd'hui. Donc quand ça t'arrange, les sources islamiques deviennent crédibles. Quand ça ne t'arrange pas, les sources islamiques ne sont plus crédibles. C'est pire que de l'hypocrisie. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mais c'est incroyable. Il ne faut pas fuir ta propre Bible, Alexandre Salomon. Ta propre Bible ne connaît que les Arabes arabisés. Ta propre Bible ne connaît que les Arabes descendants d'Ismaël. Un point, un trait. La Bible ne connaît pas un autre type d'Arabe à part eux. Il n'y a pas un seul groupe qui est appelé Arabe dans la Bible, à part ceux que les sources islamiques appellent les Arabes arabisés via Ismaël. Mais oui, c'est clair. En résumé, notre cher ami Alexandre Salomon avait tenté, dans un premier temps, d'utiliser Ibn Kathir et Ibn Abbas pour nous prouver que le prophète Mohammed ne serait pas descendant d'Ismaël. Mais Alhamdoulilah, il a été cloué sur cette question lors de la première vidéo réfutation sur la question. Et il n'a même plus osé revenir sur ce mensonge sur ce point. Quelle humiliation! Deuxièmement, nous avons prouvé dans cette dite vidéo que le Saint-Esprit de Alexandre Salomon, qui l'anime, qui s'exprime en lui, respirait l'ignorance parce qu'il était incapable de lire les noms de ceux qu'il utilisait pour tenter de nous démontrer que le prophète Mohammed ne serait pas un descendant d'Ismaël. Ce qui nous amène à nous interroger sur l'identité réelle du Saint-Esprit qui demeure dans ce chrétien. Et troisièmement, nous avons vu dans cette vidéo précédente que Alexandre Salomon, malgré qu'il est muni de son Saint-Esprit, ne savait pas que Hashim était le grand-père du prophète Mohammed. Oh Seigneur, quelle humiliation! Et Alhamdoulilah, nous l'avons renvoyé à la raison, non seulement par le nectar cacheté, et par sa propre Bible. Et bizarrement, Alexandre Salomon, en revenant prétendre me répondre, a pris la tangente, a pris la poutre d'escampette sur toutes ces corrections que j'ai infligées à son Saint-Esprit. Pourquoi il n'est plus revenu là-dessus? C'est honteux! Mais oui, c'est clair! Et quatrièmement, Alexandre Salomon avait prétendu que les généalogistes musulmans avaient copié les sources israéliates, les sources judéo-chrétiennes, et je lui avais fourni un seul hadith authentique rapporté par le prophète lui-même qui fait remonter sa généalogie au-delà de Adnan jusqu'à Ismaël. Et je lui avais demandé de nous donner une seule source israéliate telle qui donne cette généalogie. Il a fui cette question, il a fait comme s'il n'avait pas vu la question. Pourquoi il a fui la question? C'est honteux! Parce que jusqu'à la fin du monde,
son Saint-Esprit ne pourra jamais et au grand jamais répondre à ces questions. Cinquièmement, je lui avais posé la question de nous donner une seule source historique des généalogies données par l'Ancien Testament et par le Nouveau Testament. Encore une fois, il a fui littéralement cette question. Pourquoi il a fui ça? C'est honteux. Alexandre Salomon a fui toutes ces corrections qui lui ont été infligées en se réfugiant sur une seule question parmi les chapelets de questions, parmi ces chapelets de bastonnades que j'ai égrenés dans la vidéo de réfutation contre lui, contre son Saint-Esprit qui demeure en lui. Le seul point que son Saint-Esprit a essayé d'apporter un contredit, il a été une fois de plus crucifié comme il se doit. Parce que sixièmement, il a tenté dans sa vidéo de réfutation de nier l'authenticité du livre des Jubilés, la sainteté du livre des Jubilés qui prouve de manière claire que les Arabes sont bel et bien des descendants Ismaël. Mais malheureusement pour lui, il a été cloué non seulement par l'historien juif qu'il avait lui-même brandi et par d'autres historiens, ce qui nous montre clairement l'incompétence intellectuelle de Alexandre Salomon. Et septièmement, Alexandre Salomon avait tenté de falsifier le sens du terme arabe utilisé dans ce livre saint des Jubilés. Mais alhamdoulilah, il a été crucifié une fois de plus comme il se doit. Bref, Alexandre Salomon, tu n'as pas le niveau. Ton Saint-Esprit qui demeure en toi n'a pas le niveau. C'est pourquoi tu demeures toujours dans la fuite, dans la fuite, dans la fuite pour toujours. Donc, une fois de plus, Alexandre Salomon, ta place, c'est à la cuisine. Mais oui, c'est clair. Franchement, ta réfutation était vraiment du subhanallah. Subhanallah. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas de l'arabe, ça. Tout comme ta vidéo, c'est nul. Zéro. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.